Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les matchs qui auront lieu ce week-end dans les différents championnats européens. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Et donc pour parier sur les trois buteurs que je vais donner, on a un bonus exclusif avec TheBet. Vous pouvez vous inscrire. 10 euros de free bet offert sans faire de dépôt, donc gratuitement, en plus du bonus classique, à savoir votre premier dépôt doublé en free bet dans la limite de 100 euros. N'oubliez pas pour cela le code RDJ10 lors de votre inscription. Je vous mets bien sûr le lien en description. Mon premier match, c'est Arsenal qui reçoit Wolverhampton. Arsenal est leader du championnat avec un point de plus que Manchester City. Les Gunners sont en forme avec 4 victoires de rang, 2-0 contre Séville en Ligue des Champions, 3-1 contre Burnley, 1-0 à Brentford en Première Ligue. Et mercredi, ils ont gagné 6-0 toujours en Ligue des Champions contre Lens et ont assuré la première place du groupe. Les Wolves, eux, sont dans le ventre mou à la 12e place avec une victoire, un nul et deux défaites sur les 4 dernières journées. Ils ont perdu à Fulham 3-2 lundi avec un penalty concédé en toute fin de match à la 94e minute. Arsenal a gagné les 4 dernières confrontations, dont la saison dernière ici à l'Emirates 5-0. Ils sont injouables à domicile avec 5 victoires de rang. Gabriel Jesus a marqué contre Lens cette semaine. Il revient tranquillement de blessure. Je le vois enchaîner, sa cote est à 2,42. On reste en Première Ligue avec Liverpool contre Fulham. Après la défaite de l'équipe B à Toulouse en Europa League il y a 3 semaines, Liverpool a réagi en s'imposant 3-0 à Anfield contre Brentford. Le week-end dernier, ils ont arraché le nul à l'Etihad, un but partout, contre Manchester City. Hier, ils se sont imposés facilement à Anfield contre l'ASC en Europa League. Fulham restait sur 4 matchs de championnat sans succès, mais a rectifié le tir lundi en s'imposant à la maison en toute fin de rencontre contre Wolverhampton. Liverpool est injouable à Anfield, 6 victoires en 6 journées, 17 buts marqués et seulement 2 encaissés. Je les vois s'imposer une nouvelle fois ce week-end. Salah fait un excellent début de saison et a marqué son 199e but déjà avec Liverpool hier. Je le vois inscrire, pourquoi pas le 200e ce week-end. Salah buteur et Liverpool gagne le match, est à 1,88. Je termine avec le choc de Serie A entre Naples et l'Inter Milan. Début de saison très moyen pour le Napoli qui s'est même débarrassé de son coach Rudy Garcia après la défaite 1-0 à la maison contre Empoli. Derrière, pour le retour de Mazzarri sur le banc, ils se sont imposés 2-1 à Bergame contre l'Atalanta. Et mercredi, en Ligue des Champions, par contre, ils ont perdu sur la pelouse de Madrid contre le Real 4-2. L'Inter fait un gros début de saison contrairement au Napoli. Ils sont leaders de Serie A et ont un bilan de 13 victoires, 4 nuls et une défaite en 18 matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont fait match nul dans le choc contre la Juve pour la première place le week-end dernier, un but partout. Et mercredi, ils ont arraché le nul 3-3 à Lisbonne contre le Benfica en Ligue des Champions alors qu'ils étaient menés 3-0 à la mi-temps. Naples ne gagne plus à la maison depuis 5 matchs maintenant. L'Inter, c'est très solide jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, ils ont aligné l'équipe B en Ligue des Champions contre Benfica. Donc physiquement, ils seront bien plus frais et prêts que le Napoli. Le meilleur buteur de Serie A avec 13 buts en 13 journées, Lautaro Martinez, sera bien évidemment titulaire. Je le vois scorer dans ce choc, sa cote est à 2,12. Voilà mes 3 buteurs pour ce week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en plus du bonus de bienvenue classique, TheBet vous offre gratuitement et sans dépôt 10 euros de free bet. Pour en profiter, n'oubliez pas notre code promo RDJ10 lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 10 euros offerts sans dépôt sur mon combiné des 3 buteurs. Ça fait une cote à 9,64. Je récapitule, Gabriel Jesus buteur, Salah buteur et Liverpool gagne et Lautaro Martinez buteur. Si ça passe donc, vous remportez 96 euros. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros que vous avez déposés, plus les 100 euros de free bet. Je vous mets de toute façon le lien, si vous êtes intéressé, en description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos avis sur mes buteurs dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc faites-le toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.